Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Mika Rache. Salut Internet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, voilà, comme il a dit mon ami, toute nouvelle vidéo, n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne. Non frère, tu vois, comme tu commences, c'est... Mais quoi? Je vais te lancer des graviers encore. Tu veux manger des graviers? Mais j'adore. Espèce de sous. Tu m'as fait exprès. Désolé. Un gâté à droite. Gâté à gauche. Gâté derrière. Non, pas derrière. Tu as changé. Un petit peu de gravier. Non, moi non. Bon, vas-y. Non, mange pas les graviers. Ah non, c'est malade. Putain, mais pourquoi tu fais ça à chaque fois? C'est pas des cachets, frérot. Arrête ça. T'as pas pris de traitement? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui. Ils sont pas assez salés. T'as pris les cachets ou pas avant de venir? Bah oui. Et tu continues à manger des graviers même avec le traitement? Bon, c'est bon, allez, c'est bon, on continue la vidéo. Pourquoi tu manges des graviers? J'adore ça, les graviers. Écoute, tu sais quoi? Je vais te punir encore. Est-ce que je vais être encore obligé de te punir et te dire va t'asseoir là-bas? Vas-y, punis-moi. Ah oui, vas-y, punis-moi. Arrête, punis-moi! Punissez-moi! Non, c'est bon. On te punit pas. Tu as pas fait de bêtises. Allez, je vais me punir. Bon, bah vas-y. Bon, rajoutez-le sur sa chaîne YouTube, les gars, allez voir sa chaîne, parce que sinon il va faire une bêtise un jour. Hein. Voilà, je sais pas ce qu'il fait. On sait pas. Il parle au poteau, il discute avec lui, je sais pas. Bon, je vous explique, les amis. Aujourd'hui, on va faire une vidéo assez spéciale. J'ai un t-shirt sur moi, bon, ça se voit pas trop, mais c'est un t-shirt LGBT, d'accord? Et derrière, c'est un peu plus explicite, on va dire. Voilà, on va aller dans un terrain de sport, là où les gens font de la muscu, tu vois, là où il y a des hommes qui font du sport. Tu vois. Et on va aller voir si on rencontre des problèmes. Voilà, on va faire comme il fait lui. On va faire du sport mais avec ce t-shirt. Mais le but de cette vidéo, c'est juste de voir si on peut se balader avec un t-shirt LGBT n'importe où à Marseille. Excusez-moi monsieur, bonjour, j'ai vu votre t-shirt, je le trouve vraiment très sympa. C'est pour savoir s'il n'y avait pas moyen d'aller dans un petit coin là-bas et faire une petite... Je peux faire ce que je veux de vous. Donc les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans un endroit où les gens font du sport en plein air, d'accord? Dans une... pas une salle de muscu, mais dans une... comment on appelle ça d'ailleurs? Un truc où les gens font de la muscu en plein air. Ouais, voilà, un fitness open world. Et on va y aller avec ses t-shirts et on va se faire des tractions et des petites séances de muscu avec mon ami Mika. Il est pas beau notre métier? Ah, je vais me mettre tout nu. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bon allez les gars, on se retrouve, je m'en vais parce que non, ça commence à prendre des tournures qui me plaisent pas trop. Allez, au revoir. Allez chérie. Allez pousse. Ah. Allez pousse. Pousse. Ah. Pousse. Pousse. Mais pousse. Ah. Pousse. C'est pas possible. C'est possible d'arrêter de faire du bruit, de crier comme ça là. On est là pour être tranquille. Genre si tu peux arrêter 5 minutes, ça serait bien. Bah, désolé, c'est parce que en fait il a un peu de mal à s'entraîner. Mais ouais. Pas grave, mais essaye d'être tranquille quand même. Non, mais t'as vu ce que je vous demande? Mais frérot, arrête! Non, arrête, ouais, Mika, comme ça! Plus de force! Ouais, ça va, désolé. On va faire attention, merci. Allez, vas-y, Mika! Vas-y! Vas-y! Encore! Encore! Vas-y! 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 C'est bon! Il n'y a pas besoin de gémir comme ça, frère. Fais pas esprit. On est en plein air, on a le droit de crier. Ouais, mais tranquille, il y a du monde autour. Ça y est, faut pas forcer non plus. Bah, lui, vous êtes les seuls là qui en entendent crier là. Ça y est, faut mettre un câble là. Mika, allez, tu as repris connaissance, c'est bon? Allez, viens. Ça va, ouais. Viens, bébé. Allez, vas-y, stade. Ça va, non, c'est bien, on se parle comme ça. Vas-y, on va faire attention. Ouais, excuse. Parce que c'est bon là. Ouais. On va faire d'autres exercices. Vas-y, c'est tu bon. Tu vas faire des tractions moi devant lui. Moi je veux bien. Comme ça, on va prendre. Toi, tout seul. Ouais. Vas-y, je laisse faire les tractions, moi je vais là-bas. Vas-y, c'est bon. Vas-y, à toutes. Tout à l'heure. Ah. Ah. Des tractions. Ouais, bon, tu vas essayer. C'est quoi ton t-shirt là de trois blancs là? Hein? C'est quoi ton t-shirt de trois blancs là? Qu'est-ce qu'il a mon t-shirt?
Bah, que je suis pas avec un t-shirt comme ça, là. Bah, c'est pour la cause LGBT, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi, tu vas te changer de parti? Ouais. Mais gros, tu as rien à faire ici. Comment ça, j'ai rien à faire là? T'as rien à faire ici. Ici, c'est pour les hommes, pas pour les, pour les tapettes. Mais pourquoi? J'ai pas le droit de faire du sport comme toi. Non, mais gros, ici, c'est pour les hommes, pas pour les tapettes. Donc, alors, s'il te plaît, casse-toi maintenant. Mais non, je fais mes tractions. Ah, c'est bien, casse-toi. Mais c'est pas interdit de... Casse-toi. Mais non, je vais pas partir. Pourquoi je vais partir? Non, c'est pas pour les hommes. T'as rien à faire ici, toi. Mais je suis un homme, non? Je suis quoi? T'es un homme, mais tu pars comme nous. Les vrais hommes. Alors, s'il te plaît, pars-toi. Non, je pars pas. Je t'ai dit de te barrer. Mais j'ai pas dit casse-toi. Mais non, pourquoi je vais partir? Je t'ai dit casse-toi. C'est quoi là? Je pars pas, non. Mais non, je t'ai dit pas. Vas-y, pars. Non, je pars pas. Vas-y, pars. Non, je pars parce que ça va dégénérer. Vas-y, pars. Comment ça va dégénérer? Je pense que, frère. Vas-y, pars, s'il te plaît. Pars. Je vais faire des tractions à côté de lui. C'est fou. Je vais retourner. Il est pas à toi là. Pourquoi tu lèves les mains? Je t'ai dit casse-toi. Pourquoi tu lèves les mains? Parce que j'ai pas compris. Pourquoi tu parles? J'ai pas compris quoi? Je t'ai dit quoi tout à l'heure? T'as tout barré. Mais c'est pas à toi, je fais rien, non? Ok, je te l'envoie. Arrête! Arrête! Oh! Compris, mais là! C'est bon? Oh! Anto! Frère, viens! Anto! 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 T'as des pompiers, non? Vas-y, appelle les pompiers. Appelle direct. Bon, voilà les gars, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Au revoir Internet. Arrête. Tu trouves vraiment que c'est rigolo? Non, mais bon, vaut mieux en pleurer qu'en rire. Non, vaut mieux en rire qu'en pleurer, on dit. Non, mais moi j'aime bien pleurer. Ça me soulage. Bon, je vous explique le topo. Torse et cervicale. Et luxation de l'épaule. Donc du coup, ben voilà, quand je suis tombé, en fait, je suis mal tombé. Après, il m'a tellement tapé, j'ai perdu connaissance. Et il faudra que je voie la vidéo pour vraiment voir exactement ce qui s'est passé. On est parti à l'hôpital. T'enlèves les lunettes parce que là, tu les vois plus. Ils m'ont fait des radios, tout ça, et puis ils ont vu qu'il y avait tout ça. Ouais, il a tellement tapé, il est devenu aveugle. C'est Gilbert. Arrête, j'ai mal. Bref, les gars, on vous mettra. Là, on peut pas mettre sur YouTube. La photo de mon visage, mais on vous mettra à l'état de ma gueule sur Instagram. Donc n'hésitez pas à y aller, il s'affiche juste en bas. Et voilà, dire que le message que je voulais faire passer, c'est... Sortez toujours avec une matraque télescopique et avec un pote qui en a une pour si jamais ça part Sahaja, tu vois. Sahaja, hop, il est là comme alors, ça. Alors on se pose une question quand même. C'est la question qu'on se pose, c'est où était Mikalash pendant que je me faisais taper? Mais j'étais en bas moi, le temps que j'arrive non. Et tout. Mais moi je me demande si c'est pas un coup de Mikalash. Le temps que j'y échauffe un peu le rotateur, je sors la matraque télescopique. Le mec, il a eu le temps de me faire tomber, me frapper. Et lui, t'es en bas tranquille. Mais non, mais il fallait que je finisse ma séance. 12 répétitions, il m'a dit le coach la dernière fois. 12 répétitions. J'en étais à 9. J'allais quoi? J'allais arrêter ma séance et venir? Et après tout recommencer? Oui. Les courbatures, etc. la semaine d'après? Tous ces sacrifices pour rien? Tout ce poulet KFC que j'ai arrêté de manger depuis des mois? C'est comme ça que tu me traites! Il va frapper, voilà. Il frappe l'arbre. Voilà. On l'a énervé. Arrête! Les cachets, ils sont où? Il s'en va, il a entendu les cachets, regarde, il part. Putain, mais heureusement qu'il... Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Oui, va. Mais qu'est-ce qu'il fait au lieu de faire le tour? Tu crois qu'il peut... Non. Pourquoi il fait ça, frère? Il a des problèmes de personnalisation, le frérot. Il sait pas trop qui il est, en fait. Qu'est-ce qui t'est arrivé, frérot? Hein? On dirait que je t'ai fait tabasser par un mec. Regarde, tout ce qu'il a. Regarde, tout ce qu'il fait, regarde. On dirait que t'es passé à tabac, frérot. Je sais pas, à tout moment, il peut mettre des patates. Je sais pas ce qu'il veut, je sais pas ce qu'il a. Là, bah, je suis sous anti-douleur, donc je sens pas trop la douleur. Ah, il est faillard, il est défoncé, il est déchiré. On vous donnera des nouvelles, les gars, et je vais juste vous dire, alors, un message sérieux, qu'il faut être contre l'homophobie. Et j'ai porté une charte LGBT, je me suis fait défoncer pour ça. Si vous êtes témoin de ça ou victime de ça, n'hésitez pas à contacter, il y a des services exprès, on vous mettra tous les numéros dans la description. Et puis voilà, donc chacun il est comme il est, et puis
Il faut accepter tout le monde. Moi, j'ai un dernier mot à dire. Attends, hein, attention. Genre, je vais prendre la parole sérieusement et tout. Genre, là, tu vois, genre, c'est le moment phare de la vidéo. Juste après ça, tu peux couper la vidéo. Carrément. C'est-à-dire, genre, je dis la phrase, la vidéo se coupe. T'es soufflé, calme-toi. La vidéo se coupe. Oui, t'es soufflé, calme-toi. Attention, hein. 3, 2, 1. L'homophobie, c'est mal.